Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée. N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo, vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde, ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo. Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo, vous avez 5%. Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le CERF des vacances si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion. Merci à tous, à très bientôt et surtout, bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je suis avec Mehdi, salut Mehdi. Salut Damien, ça va? Ouais, ça va super. Donc, je suis vraiment content de pouvoir interviewer un nouveau backpacker qui est parti en Australie. Bienvenue sur la chaîne, Mehdi. Merci. Voilà. T'es parti en quelle année alors, Mehdi? En 2010. Voilà, 2010. 9 ans. Donc, les choses ont dû changer, mais je pense que les règles sont les mêmes. Donc, ça va être intéressant de l'interviewer. Alors, Mehdi, à l'époque, en 2010, qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Je venais d'avoir mon bac, j'étais en études sup. Ça ne me plaisait pas trop. Du coup, j'avais envie de changement. Partir à l'aventure. Soif de nouvelles découvertes, vous en avez tout marre de votre vie en France, vous avez une séparation, vous avez vendu un truc. Enfin bref, vous avez un changement, un bol d'air, ça fait toujours du bien. Alors, carrément. Il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où tu as décidé de partir et entre le moment où tu es passé à l'action? Non, 5 mois, 4 mois. Voilà. Donc en 5 mois, ça s'est décidé fin août, début septembre avec un collègue et on est parti en janvier. Voilà. Donc, en 5 mois, ça peut très bien se faire. Hein. Les démarches sont très simples, on vous rappelle. Hein. Ouais. Passeport, ensuite demande de PVT. Alors je vous parle, il coûte environ 440 $. Il y a des nouveaux changements qui sont arrivés, donc allez checker bien les nouveaux changements pour le PVT Australie. Et après, il n'y a plus qu'à partir, on prend son billet, son assurance et on passe à l'action pour partir au bout du monde. Donc, tu es arrivé dans quelle ville? Je suis arrivé à Sydney. Voilà, Sydney, donc on vous met directement sur la carte parce que si vous découvrez cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas au courant où est Sydney. Bon, là, ça serait quand même inquiétant, mais on vous le dit, c'est en bas de l'Australie. Les saisons sont inversées par rapport à Sydney. C'est une ville énorme. Et du coup, toi. Ah, Sydney, c'est magnifique. Et toi, tu viens à la base un peu de la campagne, j'ai l'impression. Enfin, plus de la campagne, ouais. Pas loin de Saint-Etienne. Et donc, passer de la campagne à une ville comme Sydney ou. C'est fou. C'est fou, ouais. Disons qu'une ville comme Sydney, pour nous, contient plusieurs villes dans la ville, en fait. Ouais, c'est ça. C'est les quartiers. Bondi, c'est une ville. Manly, c'est une ville. C'est ça. Darlinghurst, c'est une ville. Et du coup, ça n'a pas été trop dur, justement, de passer d'un peu la campagne à une ville énorme. Ton choix. Non. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien la campagne et les villes. Donc, non, au contraire, c'était un plaisir, de découvrir une grande ville. Ça bouge, il y a de la vie. D'accord. Ouais, ça fait du bien. Alors, on continue la découverte, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement. Il faut un petit peu des deux. Alors, comment ça s'est passé au départ? Tu avais réservé une auberge jeunesse? Tu as dormi chez l'habitant? Alors, j'ai dormi chez l'habitant qui était le pote du père à un ami à moi. D'accord, voilà. D'accord. Très bien. Il avait une auberge jeunesse? Non, il avait un appart à Bondi Beach. Un appart. Donc, tu as commencé directement en appart. Donc, ça, c'est pas mal. Mais on est resté juste 2-3 jours. Hein. Enfin, on est resté 4 jours avec mon collègue. On est parti à deux, du coup. Mm-hmm. Pour partir à deux, on reparlera peut-être plus tard de ça, non? Ah ouais. Oui, on peut. De toute façon, la vidéo est très ouverte. Disons que beaucoup de gens ont peur de partir solo. Je suis parti avec un ami à moi. Mais justement, si c'est à refaire, et je l'ai refait depuis… partir solo, c'est aussi une belle expérience et vous inquiétez pas, vous serez jamais seul dès l'arrivée. Exactement, hein. C'est ce genre de destination qui est quand même très prisé par les backpackers. Hein. Vous n'allez pas sur les îles Cook en Océanie, donc il y aura forcément toujours des gens pour vous pour rencontrer, discuter. Donc au bout de 3 jours de cet appart, tu t'es logé où du coup? Donc j'ai trouvé une coloc, on avait trouvé une coloc à Darling Harbour. D'accord, en plein centre-ville alors. À Darling Harbour, ouais. Qui était bien stylé, c'était un duplex, des prix corrects, c'était sympa. Alors, les colocs, comment ça se passe? Tu payais cher? Comment tu t'es pris? Alors, pour tout vous dire, je payais 150 $ la semaine et on était dans des chambres de 4.
Donc, D'accord. on était 8 par appart. Il y avait une chambre de mec, une chambre de meuf, deux lits superposés, une salle de bain pour les mecs, une salle de bain pour les meufs, un frigo pour les mecs, un frigo pour les meufs. Et voilà. D'accord, voilà. Et donc, par contre, l'emplacement, il était en or, donc ça se paye aussi, quoi. Ouais. C'est ça. Ça Ouais, va. puis il y avait une petite piscine. Enfin, c'était pas la meilleure des piscines, mais ça pouvait faire l'affaire de temps en temps. C'est ça. Donc, la coloc peut être un excellent plan, surtout si vous voulez rester dans les villes, sur du, on va dire, du moyen terme. Voilà, du moyen terme, ouais. Du moyen terme. Donc, toi, tu es resté combien de temps à Sydney, Amélie, alors? Donc, alors là, j'étais arrivé fin janvier et je suis parti début mars. D'accord. Donc, voilà, une bonne. Et donc, tu as travaillé un petit peu à Sydney, non? Non, alors je venais d'avoir 3 sur 20 au bac en anglais. J'étais une vraie quiche. J'ai beaucoup fait rire mon pote. Mais du coup, non, alors on n'a pas travaillé à Sydney, on a plus fait la bringue. Ouais. Et la bringue, sachez que c'est le meilleur moyen pour apprendre l'anglais. C'est pas de l'argent foutu en l'air, ça vous servira. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de bien parler anglais quand on a un peu fait, comme on dit. C'est ça, bah ouais, ça nous libère. Et puis même si on fait des fautes, du coup, on dit ce qu'on a envie de dire, on s'en fout du jugement. Et c'est comme ça qu'on progresse au final. Exactement. Tu as tout résumé. Donc, toi, au départ, voilà, tu as bien profité de ton aventure, etc. Et au bout de, donc, début mars, une fois que tu avais passé un petit peu de temps à Sydney, comment tu as géré la suite de ton aventure? Alors avec mon collègue, on avait acheté une voiture directement et on est parti pour aller taffer en ferme. D'accord. Donc, Voilà. une voiture, donc une petite voiture très simple. Une Ford Falcon Break D'accord. V8. D'accord. Donc, ça, c'est très bien. Tranquille. Pour si Ouais. vous voulez. Non, pas de van, c'était pas dans notre budget. Et puis, Ouais. on s'est dit si la voiture nous lâche, au moins, voilà, on l'avait payé quoi. On l'avait payé 1 800 $, je crois. Ça faisait 900 $ chacun. C'était pas la fin du monde. C'était pas très compliqué. Donc voilà, si vous n'avez Voilà. pas un gros budget comme Mehdi à l'époque, hein, comme pas mal de backpackers, vous achetez un petit break. Et il faut un véhicule pour partir en ferme. Hein. On le répète et on le répète. Ah, il n'y a Sans pas le choix, véhicule, ouais. voilà, on ne se rend pas C'est forcément compte obligatoire. des distances. Je sais pas, même, rien qu'en France, imaginez-vous d'aller démarcher des fermes à Bordeaux et d'aller de vigne en vigne. Je peux vous le dire, je l'ai fait en long et en travers, c'est très long. Alors imaginez-vous en Australie, qu'on a des fermes qui sont grandes comme de certaines régions ou enfin, certains pays, tu te dis, mais il faut un véhicule, les amis. Il faut... Ouais, non, véhicule obligatoire en Australie. C'est ça, on roule, Sinon, on roule. vous n'allez pas kiffer votre aventure. C'est ça, même pour voir des choses, comment on s'arrête, comment on dort. Donc, ce break, alors du coup, donc, t'es assigné, t'as pris ce break, et comment tu t'es organisé pour tes recherches de ferme? Alors, les recherches de ferme, ben, on avait le petit guide, on avait chopé le petit guide Harvest là, avec Ouais. les régions et les dates de picking. Et ben, on essayait de faire des recherches via le site Australia ou PVTist Ah oui, il marche. à Allez, l'époque. Australie, ouais, il marche. À l'époque, c'était, ouais, il marchait. À l'époque, il marchait bien. Ouais, je sais pas où ce qu'il en s'il est toujours là. Il me semble qu'il est toujours là. Après, est-ce qu'il est bien actif? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit y avoir des bonnes infos quand même dessus. Ouais, Australie. Attends, cette réunion dispose maintenant de 2 minutes illimitées. Ouais, j'ai Attends, vu ça. excuse-moi, j'ai eu un bug. Parce que c'est vrai que Non, mais moi aussi, ça me l'a fait. J'ai fait OK, c'est bon. parce qu'en fait, moi, j'ai des quotas. Enfin, non, quand tu crées des comme ça, des réunions, tu as des quotas. Et OK. je sais qu'en juillet dernier, j'avais pas mal forcé sur les interviews et ça avait bloqué. Ben voilà. Bon, OK. Ouais, non, mais là, c'est bon, ça a l'air cool. donc à l'époque, tu t'es renseigné sur Australie, qui était surtout très connu pour son forum, hein, qui est maintenant devenu mort, bah, avec malheureusement l'émergence des groupes Facebook, Ouais, voilà, ça doit la être ça, façon ouais. de communiquer sur Instagram. Pouvez-vous donc vous documenter sur les sites génériques comme PVT ou Australie ou sur des blogs ou sur des vidéos. Il y a toujours moyen de trouver des fermes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche le plus, ça reste les groupes Facebook. Je pense aussi, ouais. Parce que c'est Les groupes vraiment, on est Facebook devenu, très importants de nos jours, ouais. voilà, on est devenu dans un monde instantané. D'ailleurs, j'ai créé un groupe il y a maintenant un peu plus de 2 ans et il y a 28 000 personnes donc du monde entier qui s'appelle Australia Fruit Picking. Voilà, Picking Packing a été aidé. Et ça n'arrête pas de poster toute la journée. Et c'est comme ça que ça marche et que ça va évoluer encore. Moyen de communication. Donc toi, tu avais trouvé sur Harvest ou sur les forums. Et donc après, tu es allé sur place, c'est ça? C'est ça, ouais. On allait sur place, on frappait à la porte, quoi. Ça. Je pense que c'est le meilleur moyen. Le téléphone, ça peut être sympa. Enfin, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut rassurer et tout, mais généralement, même si on vous dit oui par téléphone, le temps que vous arrivez sur place, il y en aura 10 qui ont frappé à la porte, ça sera trop tard. Ouais. Disons que ouais, le téléphone, c'est un peu juste. Il faut, c'est bien, ça nous rassure, comme a dit Mehdi, mais il faut aller sur le terrain.
En fait, ouais, faut se prévoir un petit trip, à se dire on fait ce trip et au passage, on fait toutes les fermes sur le chemin. C'est ça. Et voilà. Exactement. Et au bout d'un moment, on trouve quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. En fait, vous regardez sur le guide Hervé Australia, sur les groupes Facebook, sur les articles, etc. Vous menez votre enquête. Vous savez qu'il y a du travail, par exemple, dans les pommes à Stantorp à ce moment de l'année. Ah, c'est où j'ai bossé à Stantorp, mais je te l'avais dit, non? Ah non, je ne pense pas, c'est un hasard, vraiment. C'est voilà, on sait qu'il y a du boulot à Stantorp ou à Toulis dans les bananes ou j'en sais rien. Et après, bon bah, et ben après, on va sur le terrain et on frappe aux portes ou soit on a affaire à des contracteurs, soit au working de sel. Bah, après, c'est à vous de. Après, de voilà. Bon, par contre, moi, j'ai une expérience, retour d'expérience. En 2010, les working hostels commençaient à être en plein boom. Perso, je ne conseille pas les working hostels. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Hein. Tu sais, moi, les working hostels, tu sais, moi, c'est mon avis. Ouais. Il y en a qui vont dire, attends, pour mais moi, je vais vous donner mon retour d'expérience au niveau des working hostels. Une working hostel, ils vont vous promettre du job. Vous allez arriver, vous allez rester 3 semaines chez eux, 2 semaines chez eux. Vous allez commencer à bosser, vous allez bosser 3 semaines. Vous aurez passé 6 semaines, vous n'aurez pas économisé 1 euro par rapport à la date à laquelle vous étiez arrivé avant. C'est ça. On va dire que dans la majorité des working hostels, ils ont mauvaise réputation. On rappelle, les working hostels, c'est une auberge jeunesse où en fait, ils sont de mèche avec les fermiers. Donc, c'est ça. Donc, disons que, par exemple, il y a le working hostel de Childers où apparemment, il a plutôt bonne réputation. Mais globalement, la plupart des working hostels, ils sont là pour le business, pour l'argent, notamment à Mille Duras. Ouais. Beau dire ce qu'on a beau dire, Mille Duras, c'est de la daube. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous réagissez dans les commentaires, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand on reçoit plein de commentaires, etc., comme quoi c'est merdique, faites bien attention au working hostel. Donc, comment ça s'est passé? Tu étais à Sydney, du coup, tu allais à Stantorp, du coup, par hasard? Bah, du coup, ouais, on a remonté la côte, on a fait les Blue Mountains, un petit trip jusqu'à Stantorp, ouais. Ouais. Et du coup, à Stantorp, on a bossé dans les pommes. D'accord. Voilà. Donc, c'était en mars, mars-avril. Alors, c'est ça, ouais. Mars, on est arrivé à Stantorp, mi-février, et on est resté jusqu'à fin mars. D'accord. Fin avril, début juin. Donc, t'as bossé. Comment t'as... Donc, t'es passé par le working hostel de Stantorp, ça? Non. On est allé directement se caler au caravan park, au camping. Ouais. D'accord. Et on a demandé à l'accueil, et puis dans le caravan park, il y avait plein de gens qui bossaient à droite, à gauche. On a demandé, et puis après, voilà, on a passé 2 ou 3 coups de téléphone, par contre, directement là du caravan park. Mais vu qu'on était à 5 minutes, les gens qui avaient besoin nous disaient venez, et on y allait, et puis c'est passé. D'accord. Donc tu t'es posé au caravan park. Et le caravan park de Stantorp à l'époque, alors je sais pas si tout est d'actualité, mais est-ce qu'il est de mèche avec les fermiers ou ça, il n'y a pas de connexion? Non. Non, il aide les fermiers. Et c'était plus de l'aide là, c'était pas de mèche, tu vois. D'accord. Ok, de l'aide, ouais. D'accord. C'est plus, moi j'aurais plus dit de l'aide, ouais. Ah ouais. Il aidait autant les backpackers qui voulaient bosser que le fermier qui avait de la main d'œuvre. Ouais. Et le caravan park avait aucun intérêt financier, je pense, dedans, à part remplir son caravan park, quoi. Ouais, je pense que c'est le même système. Il y a Genda avec Stacy qui est connue. Pareil, elle était pas, c'est pas un système de contracteur, mais elle aidait éventuellement, mais il n'y a pas de contrat particulier. Ouais, là, carrément. Alors, Stantorp, tu as travaillé en picking, c'est ça? Picking de pommes, ouais. Et après, aide pour la fin d'un champ, on va tout enlever plus dans les concombres. Les choses. D'accord. Alors, le picking de pommes, tu en penses quoi? C'était compliqué, non? Où il y a moyen de faire de l'argent. Picking de pommes, mais faut se laisser la vie, hein, pour faire de la thune. Hein. Franchement, ouais. C'est technique, quoi, quand même. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez faire de la qualité, il faut prendre son temps, donc on fait pas d'argent. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa un temps, quoi. Ouais. On vous rappelle, hein, la plupart des fruits, hein, hors fruits exotiques, globalement, c'est souvent payé au rendement. Donc, par exemple, dans les pommes, c'est ça. Cas d'une bine où en fait vous ramassez les pommes à la main, je pense, c'est à la main, et vous remplissez votre. Il faut pas jeter la pomme. Chaque pomme, faut la poser délicatement dans son backpack. Voilà. Vous le mettez dans votre sac et après vous déchargez votre sac et vous êtes payé à la bine. Alors une pomme, je pense, ça doit être $40, non, à peu près la bine, non? Par contre, je me rappelle plus trop des prix. C'était un truc comme ça, je crois, 35-40. Voilà. Donc après, bah, il faut en faire beaucoup, hein, parce que bon, $40, ça fait un peu juste pour la journée. Donc il faut. Ça demande du temps. Je pense que le picking, globalement, par expérience ou l'expérience de Mehdi, il faut du temps si vous voulez faire de la qualité et de la quantité. Donc, bah, c'est pas la première semaine que vous allez faire 5 bines. Non, c'est pas les premiers jours où vous allez faire pas d'argent. Après, il faut se laisser plusieurs semaines avant. Vos gains vont augmenter au fur et à mesure. Voilà. Puis après, c'est une expérience. On est dans une expérience de farmer un peu. On rencontre des gens qui font la même chose. Le soir au camping, c'est fun.
Voilà. C'est, faut le vivre comme ça au moment présent, je pense. Oui, voilà, il faut aussi arrêter de penser qu'à l'argent. Parce que là, je vous reçois plein de messages. Ouais, ferme solaire, faut de la thune. Bon, les mecs, sont partis aussi en Océanie pour une expérience. Vous avez 40 ans de votre vie, vous allez travailler dans un bureau ou dans un. Ou j'en sais rien. Donc, je veux dire, l'argent, c'est bon, ça. C'est juste pour financer votre voyage. Enfin, après, c'est mon avis. C'est ça, ouais. Et si c'est vous ça, tuez ouais. à la tâche au travail, bah, forcément, c'est moins de temps pour voyager. Tout à fait. Donc après cette expérience de pomme, donc à Stantorp qui a été plutôt finalement assez moyenne, j'ai l'impression. Enfin, sans. Ouais, bah, non, ça va, ça nous avait permis de faire un peu d'argent, de continuer notre trip. Ça va, c'était une bonne expérience quand même. J'en retiens. Ouais. La seule mauvaise chose, c'était que les fermiers n'avaient pas voulu nous faire de payslip. Du coup, on avait bossé pendant un mois et demi et ça comptait pas pour nos fermes alors qu'on l'avait fait, quoi. D'accord, d'accord. Donc ça, faites attention à ça, ouais, à bien avoir, à être sûr d'avoir une payslip pour vos fermes, parce que des fois il y a des farmers et ils vous la font à l'envers. Voilà, et ça c'est important, surtout que depuis ouais, le très 10 avril, important. Surtout que depuis donc là la vidéo elle est tournée nous sommes le 13 juin 2019, mais depuis le 10 avril 2019, hein, il y a eu des nouvelles réformes, notamment pour chaque demande de second et troisième visa qui sera applicable à partir de janvier 2020, vous devez fournir toutes vos preuves. C'est pas avant il y avait des contrôles aléatoires, maintenant c'est directement. Ah ouais. Tout est contrôlé systématiquement. Donc, okay. Conserver les paiements de se marier, les paying slip. Toi, à l'époque, en plus, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais dit, tu pouvais juste faire du volontariat et le peak swooping, ça marchait. Après, ils ont fait le cap en 2015. Et maintenant, tout est contrôlé systématiquement. Donc, je vous rappelle, hein, pour valider 3 mois, il faut faire du full time. Hein. On considère que vous êtes en full time, sinon, vous calculez un ratio. $23 de l'heure sur une semaine à $700 environ. Par semaine, vous faites un ratio. Si vous avez gagné par exemple que $200, ça fait près de 2 jours sur 5 de valider. Voilà. Donc ça, c'est après, voilà le calcul. Sinon, vous avez l'application 88 Days, fait par un Français. 88 Days, vous allez le trouver très facilement sur les moteurs de recherche pour vos farm jobs, pour le calcul. Donc après, tu as repris la route, Mehdi ? Alors après, on a repris la route. On a rejoint des collections sur Brisbane, Surfer Paradise, Fraser Island. On a continué le trip jusqu'à Bowen. Que du bonheur. Que du bonheur, ouais. Pour au final, après, là, avec mon collègue, on s'était séparés pour chacun vivre son expérience de son côté. Ouais. Vu qu'on était, du coup, plus rassurés étant dans le pays depuis quelques mois. Et après, moi, je suis allé à Cairns et j'ai bossé un peu à Cairns. D'accord. Voilà, c'était l'époque de Coupe du Monde. C'était un moment de Coupe du Monde, donc j'avais envie de me poser à un endroit où je puisse voir la Coupe du Monde tout en faisant un peu d'argent. La Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est ça, hein, mémoire. Je crois que c'était ça, ouais. Ah ouais, donc la fameuse histoire du bus, ouais. D'accord. Attends, j'avais honte, c'était hier. Hein. Qu'est-ce que ça passe vite, les années ? Eh ouais, le temps passe très vite. Le temps passe vite. Encore donc, plus en voyage. Exactement. Donc, Cairns, on vous met directement sur la carte, sur l'écran. Donc, c'est vraiment situé à l'extrême est de l'Australie côte est, hein. La région tropicale. Hein, donc faites bien attention, à partir de mi-novembre, début décembre, jusqu'à mars. On va pas dans l'eau. Pas mal de pluie et on se baigne que dans les lagunes. Voilà, exactement. Éviter pour les crocodiles, hein, ça c'est important. Crocodiles, méduses. Voilà. Pour les méduses, il y a des saisons. Pour les crocodiles, c'est toute l'année. Et surtout la saison des pluies, éviter. Bah entre là, tu devais. Je pense qu'il devait faire beau à l'époque, non, quand y allais. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, du coup, on suivait le soleil. Ah, ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous galérez à trouver du taf en Australie, arrêtez de suivre le soleil. Tout le monde veut suivre le soleil. Moi, à la fin, à Cairns, du coup, bah, j'ai un peu galéré au niveau du taf parce que justement, tous les anglo-saxons suivaient le soleil et eux arrivaient, tous ceux qui avaient un meilleur anglais que moi prenaient les jobs devant moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais besoin de bosser. J'ai fait quoi ? Je suis retourné à Sydney et j'ai trouvé directement parce qu'il y avait moins de monde. Voilà. Si vous ne suivez pas le soleil, il y aura peut-être moins d'offres, mais moins de concurrence. Donc, globalement… ça va là pour ouais, mais ici, y a enfin, si on va dans une grande ville, il y a toujours du boulot. Une ville comme Sydney, voilà. On va à Sydney en juillet, août, on est sûr de bosser. Oui, il y a. Donne les moyens. Après, c'est toujours pareil. Hein. Le boulot tombe pas du ciel. C'est ça. Ça c'est ce qu'on répète depuis des années. Le boulot tombe pas du ciel. Et j'en ai encore parlé tout à l'heure sur Instagram. Un backpacker me dit ouais, non, mais attends, c'est quoi tes trucs ? Faut arrêter de dire qu'il y a du taf comme ça. Attends, le mec. Ah, si, attends. Vas-y, je te. Alors, s'il y a un seul boulot qui tombe du ciel, et ça, c'est une chance. C'est Uber Eats. C'est la seule chose que vous pouvez avoir comme boulot qui tombe du ciel. Vous passez votre permis à Uber Eats, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre vélo, vous avez une notification, vous bossez. C'est le seul taf qui tombe du ciel.
C'est vrai que, mais à l'époque, Et Uber on y Eats, pense peu, ça. Mais à c'est l'époque, ça n'existait pas. Ça voilà. n'existait pas. C'est vrai que Uber Eats, j'en ai encore, enfin, je n'ai pas testé, mais je suis allé récemment en Australie en avril là. J'ai pu parler avec un backpacker et il m'a montré sur son téléphone en toute transparence combien il gagnait par semaine avec l'application. Il gagnait globalement, voilà, 600 $ en s'arrachant pas trop. Enfin, donc bon après Voilà, lui, ouais. c'était un bon cycliste, mais on est payé à la course, mais il y a toujours, voilà. Par exemple, Uber Eats. Il y a du boulot. Il y a Il y a toujours du. du boulot, Uber Eats. Si vous êtes en galère de thunes, faites du Uber Eats. Cherchez Ouais. même pas à comprendre. Une application, un téléphone avec au C'est moins ça. qui fait Un l'affaire. vélo. Voilà, un vélo, pardon, qui fait l'affaire. Et après, c'est parti. Il y a toujours moyen de trouver du travail. Et si on n'en trouve pas, le plan, là, c'est la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites du Helpix. Comme ça, vous stoppez l'hémorragie. Vous êtes nourri, Ouais. logé, blanchi chez l'habitant. Et au moins, vous ne dépensez pas d'argent bêtement dans les villes ou dans les campagnes. Ça, Mais c'est important. au final, pour dire qu'en fait, du travail, si on n'en trouve pas, bah faites Uber Eats, en fait. Je vois pas pourquoi. Exactement, je pense que Uber. C'est Oui, tellement simple. On Uber Eats. postule, ils nous filent la carte, on est dans l'application, on bosse. C'est ça, c'est juste que les gens, en fait, Uber Eats, ils le voient comme un vilain petit canard parce qu'en fait, il faut rouler, on est payé à la course, c'est dangereux parce que c'est dangereux. Ouais, après, ça va vous faire la forme. C'est bon pour le Exactement. physique. Et en plus, pour les gens qui sont moins sportifs, on peut même louer le vélo électrique à Melbourne, apparemment, ou dans les grandes Voilà. villes. Donc. Ou sinon, bah, si vous avez un peu d'argent et que vous voulez faire un métier plus cool, vous faites Uber tout court. Eh bien, ouais, voilà, exactement, Voilà. on se Vous louez un renseigne. taxi, vous louez une voiture pendant une semaine. À Paris, il y en a plein de jeunes font ça. On loue la Exactement. voiture pendant une semaine et on bosse et voilà quoi. Ouais, sauf qu'en Australie, pour les Uber, il n'y a même pas de restriction des gammes, donc c'est encore plus facile. Il y a plus, Oh! faut, donc, Ah ouais. c'est beaucoup. Oui, ça, c'est encore. Enfin, là, on joue pas, en tout cas. Donc, on va revenir dans le sujet. Donc, Uber Eats, c'est toujours moins. De toute façon, il y a toujours moins. Donc, tu es revenu à Sydney. Donc, Je suis revenu à Sydney, j'ai bossé. Donc, tu as bossé Je vais dans vous quoi du donner, coup? je vais dire où j'ai bossé. J'ai bossé dans une usine qui emballe tous les DVD pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Technicolor. C'est à D'accord. Sydney. Ils prenaient beaucoup de backpackers à l'époque. Je crois qu'ils en prennent toujours encore. J'ai D'accord. un collègue qui était allé voir, mais à l'époque, il n'y avait pas de dispo. Mais apparemment, il y a du backpacker qui bosse encore là-bas. D'accord. Technicolor à Sydney. Technicolor, donc notez-le, hein, ces genres de vidéos, c'est aussi. On vous parle concret, on vous donne des informations concrètes que vous pouvez directement appliquer. Donc Technicolor, une usine de DVD, tu étais payé à l'heure, c'est ça? Ouais, payé à l'heure, on bossait je crois de 8h du mat à 16h. C'était cool. D'accord, donc voilà, donc tu travailles. Donc tu es resté combien de temps du coup chez Technicolor? Ah bah chez Technicolor, je suis resté jusqu'à toute la fin de mon PVT, donc de fin août à début janvier. D'accord. Ah Donc non, enfin j'ai arrêté pour les fêtes de Noël et après je suis parti début janvier. t'as réussi à mettre de côté pour voyager ou t'es resté que en ville? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, du coup, j'ai mis de côté. J'aimais bien Sydney. Du coup, j'ai passé un été carrément à Bondi. J'habitais sur Bondi et j'allais bosser à Technicolor. Et à la fin, chose que de plus en plus de PVTistes le font, je pense, c'est vous pouvez optimiser votre billet d'avion pour faire deux voyages en un. Et du coup, je m'étais fait une escale en Thaïlande. Sur mon retour, j'ai passé 15 jours en Thaïlande. Ah oui, Voilà. ça a un sens. Voilà, c'est ça, profiter aussi de l'Asie si vous êtes en Océanie. C'est dommage d'être allé jusqu'à là-bas pour pas avoir un peu d'Asie ou d'autres pays en Océanie. Carrément, dans tous les cas, vous avez une escale en plus. Donc, C'est l'escale, ça. qu'elle soit de 3 heures, enfin, vous allez vous infliger une escale de 3 heures pour refaire deux vols de 15 heures d'affilée. Ça n'a pas de sens. Ça Autant n'a pas de sens. profiter et faire un deuxième voyage dans le voyage, quoi. Exactement, ça a totalement un sens. Donc finalement, tu as vécu pas mal à Sydney. Donc, alors, est-ce que Ouais, tu, tout à fait. t'as, donc Sydney, tu le conseilles à toute personne qui part en Australie, t'as bien aimé? Ah ouais, moi j'adore Sydney, je pense y retourner et ouais. Ouais, J'aime bien c'est Sydney. une ville dynamique. J'aurais bien aimé aller sur Melbourne, mais j'ai pas pu à l'époque. Ouais, bah Voilà. c'est pas grave, hein, tu pourrais y retourner plus tard. C'est ça. Parlons coup un peu de la vie. Bon, ça a un peu changé. À l'époque, en 2010, on était plutôt, c'était plutôt l'inverse. Maintenant, 1 € égale 1 $, c'est quasiment 60. Alors qu'à l'époque, Alors moi, quand je suis arrivé pour 1 euro, j'avais entre 1,45 et 1,50. d'accord. Donc ça n'a pas trop changé. Ce que je sais quand, Ouais, c'était à peu près. C'était autour de d'accord. 1,45, je crois. Disons 1,40, 1,50. D'accord. Donc Vers ça. finalement, le coût de la vie, toi, est-ce que tu l'as trouvé est vraiment cher ou ça t'a pas choqué?
Pour, enfin, du moment où on a une rentrée d'argent, là, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Hein. Et Ouais, puis exactement. après, ce qui est cher en Australie, c'est le vice. Alcool, Ouais. tabac, Les sorties. voilà. Tout ce qui Les est. sorties, ouais. C'est vrai que quand on est en ville, on a des tentations, et là-bas, tout ce qui est tabac, alcool, ça Ah bah peut. oui, ça coûte vite cher, quoi. Ouais, ça peut rapidement chiffrer. Donc faites bien attention, surtout si vous voulez voyager dans l'Australie. Donc finalement, toi, t'es resté sur. T'as fait vraiment que la côte Est dans ton Que expérience. la côte est, toi, dans mon expérience, ouais. Donc tu la recommandes, la côte Est, quand même? T'as bien aimé? Ah oui, totalement, totalement. Ah ouais. Ouais, j'ai un petit regret, c'est quand j'étais à Cairns, j'aurais pu prendre un risque et c'était de partir avec des collègues jusqu'à Perth Ah en oui. faisant toute la côte ouest. Mais ce qu'il y a, c'est que je commençais à être en galère de thunes. Mon vol retour était de Sydney. Donc, vu que j'avais un vol open, je me suis dit, bah, je vais à D'accord. Sydney. Si Ouais. je trouve du boulot, je reste jusqu'à la fin. Sinon, bah, je prends mon vol open et je rentre, quoi. D'accord. Ok. Donc, du coup, je ne l'avais pas fait, ouais. D'accord. Donc c'est pas. Est-ce que tu aurais des conseils très concrets pour les backpackers qui partent en Australie et dont tu as commis certaines erreurs pendant ton PVT? On commet forcément des erreurs de stratégie pendant ton PVT. Tu as perdu peut-être du temps à des moments, de l'argent? Ouais, l'erreur, bah, le temps. Le temps pour, si vous voulez partir en ferme ou bosser, que les fermiers vous font poireauter, c'est de la perte de temps totale. Et qui dit temps, dit argent. Vaut mieux continuer d'avancer tout le temps. Parce que comme je disais tout à l'heure, Complètement. T'as complètement raison. les working hostels, vous arrivez, disons que vous avez 1000 dollars. Vous restez 2 semaines à payer votre bouffe, votre logement. Disons que ça vous en coûte 500 dollars, il vous reste 500 dollars, vous commencez à bosser. Ouais. Donc vous allez encore payer votre bouffe, votre logement, plus avoir après, au final, vous aurez passé un mois, vous aurez toujours 1000 dollars. Ouais, Donc vous oui. serez resté un mois pour la même chose, pour avoir autant d'argent, autant continuer et Ouais. trouver un plan qui vraiment vous permet d'économiser. Voilà, exactement. Donc ça, c'est. J'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle le top 5 des arnaques en ferme, à l'époque quand j'étais à Bali. Et ça, c'est une des erreurs, c'est de croire qu'il y aura du travail à un endroit. Et en fait, les fermiers en Australie, vu qu'ils ont la main de facile, ils préfèrent en avoir sous le coude, même s'il n'y a pas de travail. Voilà, Donc sauf si que on. vous, Voilà, vous donc si on vous dit dépensez pendant ce temps-là. que les fruits sont prêts, allez voir dans la ferme directement. Et Carrément, ouais. en fait, vous Bonne allez voir idée, ouais. qu'il y a des billes, et vraiment, c'est des petites billes. Et ça m'est arrivé à Cobra notamment. Ouais, c'est bon. À l'époque, j'avais dormi un peu à l'arrache dans la ferme. Le mec, il m'a dit, ouais, c'est bon, tu peux venir bosser, je te loge gratuitement. Bon, il était super sympa. Et finalement, je suis allé voir dans la ferme. C'était des prunes à Cobra, c'est des prunes. Hein. Ok. Et c'était des billes, quoi. Donc le mec, il dit, ouais, c'est prêt, mais en fait, il n'y a rien de prêt, mec, va voir ton champ. Il faut attendre des mois, il n'y a rien, quoi. À moins qu'il y ait j'en sais rien. Donc, ouais, faites bien attention à perdre du. Sur un an de PVT, on a l'impression qu'on a du temps, mais ça passe très vite pour commencer. Ah bah, quand je partais, j'avais l'impression que ça faisait 3 semaines que j'étais arrivé. Donc, mais c'est vrai Ça, parce c'est. que de le vivre ou de conseiller des gens, comme je le fais depuis des années, j'ai l'impression de, quand j'appelle des gens, je me dis merde, ça fait déjà un an que je t'ai appelé. Vraiment, c'est. Tu dis, mais Ouais, ça passe super vite. quand vous êtes dedans, en fait, ça va passer très vite. Si vous allez vraiment, toi, on va à fond, on sort à fond, ça passe vraiment trop vite une année en Australie. Donc, en tout cas, ton conseil, il est vraiment intéressant, il est très très important. Notez-le, ne perdez pas de temps bêtement à un endroit. Bon, attendez quelques jours éventuellement, si vous sentez Oui, qu'il y a moyen. oui. Mais si vous sentez que, voilà, il n'y a rien qui Ouais, mais vous. si un fermier, il va vous faire poireauter 3 semaines. Ils sont malins, hein. Des fois ils vous disent ouais, dans 2 jours, dans 2 jours. Il vous le fait une fois, deux fois, troisième fois, faut partir. Et inversement, quand les fermiers ils vous disent ouais, c'est coyote en ce moment, c'est toujours très coyote. Voilà, il y a peut-être moyen aussi d'avoir du travail. Hein. N'hésitez pas aussi à insister, à relancer. Par exemple, moi, je m'étais fait un fichier Excel avec le nom des fermes, des fermiers, le nom, moi, voilà, l'adresse. Ouais. Donc, pas hésiter à relancer. Des fois, c'est une sorte de timing, l'Australie. Ça va tellement vite dans les deux sens. Le bon endroit, bon moment, ça peut faire boum tout de suite. Ouais, après un autre conseil, ouais, la voiture va vous permettre de bouger, d'économiser des nuits d'hôtel ou d'hostel. Voilà, vous pouvez dormir dedans. Une fois que Oui. vous avez la voiture, la vie, elle vous coûte quasi plus rien derrière, à Exactement. part quand vous nourrir et mettre de l'essence dedans. C'est ça. Après, j'ai fait récemment une enquête sur mon groupe départ PVT Australie 2019. La principale inquiétude, c'est souvent l'anglais, éventuellement l'achat d'un véhicule. J'ai envie de vous dire,
l'achat du véhicule, il faut le voir comme un investissement, un peu comme un entrepreneur qui investit sur son élément. Non seulement vous allez pouvoir la revendre derrière, donc ça je vous la rends pas, mais non seulement, et vous allez surtout y vivre dedans. Vous allez faire votre bouffe, vous allez dormir, vous allez, c'est génial. Ouais, carrément. Ouais. Donc il faut passer à l'action. Ouais, et puis plutôt que louer, au final vous faites un investissement, mais vous êtes sûr de jamais revoir votre argent. Alors voilà. Que là. La location, ça revient vite très cher, la location. Je l'ai testé récemment. Bon, bah. Ouais, j'avais vu ta vidéo, ça... qui était pas mal d'ailleurs. Très bon. Ouais, donc la location peut revenir très très cher sur surtout sur du long terme. Enfin, sur du rapidement, même au bout d'un mois. Hein. Un mois de location, c'est 3 000 $, les mecs. Hein. Donc, 3 000 $, on peut s'acheter un van. Bon, peut-être pas le van de location, mais un truc qui est. À moi, 1 900 $, la caisse. 1 800 $, la caisse. C'est ça. Donc, réfléchissez bien, en tout cas. Moi, en tout cas, je vous conseille de passer à l'action. Si vous connaissez rien à la mécanique, vous faites un contrôle technique. Ça, c'est très simple. Vous renseignez bien les papiers, la régo, etc. Vous achetez un véhicule dans l'état où vous êtes, ça on vous le répète. Si vous êtes assigné, vous achetez une SW, sauf si vous achetez Western Australia, vous pouvez faire tout à distance. Ouais, Western Australia. Voilà, sinon achetez un véhicule dans l'état où vous êtes, faites un contrôle technique. Et voilà, et après, c'est pas plus compliqué que ça. Achetez un véhicule, on vous le répète. Moi j'avais un des amis, ils étaient trois, ils avaient acheté une Mitsubishi de Western Australia à trois, ils l'avaient payé 1 000 $. Ils ont fait 2 fois le tour de l'Australie avec. Ouais, après c'est pareil. Et ils l'ont même revendu 1 000 $ en plus. Voilà, après c'est un coup de poker. En fait, il faut le voir aussi c'est comme un coup de poker, ouais. C'est un coup de poker, mais évitez de bluffer avec une paire de deux. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule, vous voyez que c'est encrassé, ça fait un bruit bizarre. Je veux dire, c'est juste de la logique derrière. Vous faites des contrôles techniques, vous faites bien attention. Évitez de bluffer avec une paire de deux. Achetez comme un produit. Bon, là, c'est peut-être un peu exceptionnel. Globalement, plus on met cher, entre guillemets, on va prétendre un produit peut-être un peu meilleure qualité qu'une RAV. Après, faut quand même faire attention avec les vans parce que j'avais aussi trois autres amis qui, eux, ont acheté un van à 3 qu'ils ont payé 10 000 $ et au bout de 5 000 bornes, le moteur a été mort. Non, mais bien sûr. Tout de suite, ça fait plus mal. Voilà, il n'y a pas de règles précises. On peut pas vous dire, ouais, dépenser ça, c'est bon, il n'y a rien qui est acquis. Non, mais globalement. Après c'est votre logique, toi, vous voyez l'état du véhicule et après il n'y a rien qui est sûr, mais en même temps ça vaut le coup d'investir et tenter sa chance entre guillemets. Et au pire si ça lâche, et ben c'est juste de la mécanique, c'est juste de l'argent, on peut toujours le recréer. Ce qu'on peut recréer, c'est le temps. On perd peut-être un peu de temps, mais l'argent on pourra toujours le retrouver. En tout cas, il y a toujours moyen de, en travaillant, de se refaire, tant que c'est pas un problème de santé, c'est pas grave, vous avez quand même le temps carrément. En fait, en Australie, vu qu'on est payé à la semaine, on peut se refaire rapidement. C'est ça aussi qui est important. Tout à fait. Signaler. Donc globalement, ton expérience ton expérience en PVT Australie, t'en as tiré un très bon bilan à l'époque. Ah oui, très bon bilan. Mon anglais a beaucoup évolué, malgré que j'étais une grosse quiche à la base. Puis du coup, après, j'ai pris goût, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo si vous voyez cette vidéo. Dont j'interviewerai bientôt aussi Mehdi dans le cadre d'un PVT Nouvelle-Zélande. Mais en tout cas, ça t'a donné envie de voyager encore plus, en fait, c'est ça Ouais, carrément, ouais, l'ouverture, découvrir. Ouais. Après, je suis parti tout seul même. D'accord. Ouais, voilà, exactement. Nouvelle expérience, nouveau lieu. Il n'y a pas un mode de voyage précis. Vous pouvez voyager en solo, voyager en couple, voyager en. Moi, j'ai tout testé, hein. Couple, amis, seul. J'ai voyagé aux Maldives dans des trucs à 1 500 $ la nuit, des voyages où je dormais à 5 € dans un camping en Nouvelle-Calédonie. En fait, il n'y a pas un mode de voyage précis. Faites votre voyage qui vous correspond et surtout, sentez-vous bien dans votre vie. La vie est pleine d'expériences. Il faut tenter les expériences et puis voir ce qui nous plaît par la suite. Oui, exactement. Et je pense que, et pour conclure cette vidéo, on vous le répète, c'est en voyageant que vous allez apprendre à vous connaître. Exactement. C'est vrai, parce que quand vous êtes. Par exemple, dans le cas de Mehdi, qui a eu 320 au bac, mais moi, ça ne me choque pas. C'est pas parce qu'il a eu 320 que c'est un. En anglais, hein, pas surtout mon bac quand même. Oui, voilà. Mais c'est pareil, 320 en anglais. Je l'ai eu mon bac. Oui, mais c'est je pense qu'on est trop focalisé par rapport au niveau des études. Ouais, oh là là, le mec, il n'a pas un bac plus 5, c'est une merde. Ça ne veut rien dire, en fait. Il faut C'est en voyageant qu'on apprend. Ça veut dire quoi, un bac plus 5? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bac plus 5, parce que vous pensez que vous allez faire 2 500 € dès votre premier job. C'est du vent, ça. C'est du vent. Donc,
En fait, déjà, je pense qu'à force de voyager, vous allez donc voyager. Alors, c'est pas une course contre la montre ou une histoire de durée, mais en tout cas, si vous partez un jour en PVT, vous allez prendre du recul sur votre système, vous allez apprendre à vous connaître et de vous dire, OK, maintenant, ah, je me souviens quand j'ai vu la vidéo de Mehdi, j'ai travaillé dans ce boulot à Technicolor, par exemple, et finalement, moi, je suis peut-être un mec qui aime l'usine parce que j'ai besoin d'être quadrillé, j'ai besoin de... Alors qu'avant, je Ouais, faisais voilà. un boulot de Si bureau. ceux qui aiment l'usine, foncez chez Technicolor, vous serez bien. Voilà, donc vous allez vous découvrir professionnellement, vous allez vous trouver sûrement des nouvelles vocations et ça va surtout vous donner envie de voyager, prendre confiance en vous. Enfin, il n'y a que du positif, vraiment. Et si vous rentrez au bout d'un mois, ça peut arriver. C'est pas un échec, c'est juste parce que vous n'étiez pas fait pour ce genre d'aventure. Et ça, tout le monde n'est pas fait pour ce genre d'aventure, il faut être. Exactement. Voilà. Il faut tout pour faire un monde, mais au moins vous avez essayé. Et... C'est ça le plus important. Si vous avez envie de le faire et vous avez essayé, que vous C'est avez le échoué, principal. c'est forcément que Voilà. pour moi, le respect déjà, enfin, c'est déjà très bien. Donc voilà. Donc Carrément. merci Mehdi. Je vous mettrai directement De rien. son Instagram si vous avez des questions sur l'usine Technicolor ou des questions plus précises pour le contacter directement sur Instagram. Allez, c'est cool. Voilà. Donc il habite à Saint-Étienne au passage. Si vous les contactez, on ne sait jamais. Hein. Je pense qu'à force Avec plaisir. de mettre à force de mettre les Instagram de certaines personnes, je pense qu'ils doivent se faire contacter. Hein, j'en suis sûr. Et du coup, moi, ça me donne aussi moins de travail. Ça, c'est intéressant. Voilà. Bah écoute Mehdi, voilà, bah écoute, on conclut la vidéo. Voilà. Merci à toi. Merci.